Et salut à tous, c'est Darkman, on se retrouve pour une autre partie sur Watchdog, donc mission 5 ou 6, je sais plus. Bon, peu importe, on y va, toujours acte 1. On est parti, on va aller. Pourquoi me dit de passer par là, là? Ouais, je sais pas. On va aller apparemment. Il faut aller. Merde, j'ai oublié. Lol, j'ai oublié. Faire le taxi, voilà. Faire le taxi pour un gars, en fait, en tout cas. Ouais. Donc, on va aller faire le taxi pour un gars. Hop. Avec toute ma. Toujours ma voiture. Ah, je suis pas malade. Je vais me garer, j'ai le droit. Hop. Allez, hop. On descend et on va ici. Parti. J'ai un fixeur aux trousses. Ok, je vais m'occuper de lui. Encore? Oh non mais attendez. Oh là là, bon je crois que je vais. Ah ouais, non mais attends, Coco, eh. Ah. Voilà. Revenons à nos moutons. Voilà. J'ai enlevé la prise. Parce que si à chaque fois on est emmerdé par les joueurs, on va pas le faire, hein. C'est bon, j'arrive. Putain, mène-toi, les flics vont me serrer, grouille! Ok, bon, on y va. Alors, si vous êtes emmerdé comme ça dans votre partie, une seule solution, hein, que je vous conseille de faire, parce que je savais qu'il allait avoir de l'abus. Et là, c'est pas. Là, c'est vraiment un joueur qui est rentré dans mon, dans ma partie. C'est pas du tout l'IA. Là, c'est vraiment un joueur qui est rentré dans la partie. Et à mon avis, ce genre de truc, moi, j'aime pas du tout qu'on vienne me faire m'emmerder dans ma partie. J'aime pas du tout. Non, non. Et puis, je savais qu'il allait avoir de l'abus. Je sentais qu'il allait avoir de l'abus à ce sujet-là. Donc, voilà. Alors, si vous êtes emmerdé, moi, ce que je vous conseille de faire, débrancher votre câble, votre câble internet. Voilà. Voilà, c'est bon. Parce que sinon, on va être emmerdé tous les quarts d'heure. Là, je suis un peu dans la merde là. Non, c'est bon. Hop. Hop. On va passer par là. Alors ici, le but. Oh putain, merde, ils ont fermé les ponts. Le but, ça va être de rejoindre l'objectif là-bas. Ah mais là, je suis bloqué de chez bloqué là. Ouais, donc faut rejoindre le gars à l'objectif sans se faire avoir. Sans se faire avoir. Hop. Voilà. Je suis désolé hein, du petit coup de gueule que j'ai eu tout à l'heure. Mais là, franchement, faut pas abuser quoi. Je suis sûr qu'il va avoir des abus comme ça de tous les joueurs. Et j'en suis persuadé. Hein. Allez.
mort. Je suis le chauffeur. Putain, c'est pas trop tôt. T'as une caisse, celle-là est défoncée. Non. Mes règles, ta voiture. C'est comme ça. Bon, allez, d'accord, on y va. Allez, on est parti. Alors, faut éviter les zones de recherche. Vous cacher à l'intérieur de votre véhicule après avoir garé, appuyé sur rond, sur son, attention, ok. Alors là, on va se marrer parce qu'on risque d'être poursuivi. Tu vas nous tuer avec ton parcours. Détends-toi et boucle là. On fait comme on a dit, putain, je sais ce que je fais. Tu veux te faire descendre comme ton pote? Allez, baisse la tête. Centrale, on va essayer de le coincer en vérifiant les allées. Bien reçu. Tous les ponts du périmètre sont levés, sauf celui de Wells. Des renforts se dirigent vers la zone. Donc, on va... Bon, alors, c'est quoi le plan? Parle-moi. Commence par te calmer. Toute l'île est sous surveillance. On va passer par les petites rues, par les garages, histoire de pas se faire... Voilà, par les petites rues et les garages, comme il a dit. Tu la fermes. Alors, hop. On ait l'air d'une bagnole normale. C'est compris? Ouais, ouais. Ok. Putain, mes mains arrêtent pas de trembler. T'as déjà vu quelqu'un se faire tirer dans le bide? Trop souvent. Alors, on va passer par là. Est-ce qu'on peut... Eh merde, dis quelque chose, je flippe là! Eddie, il est peut-être encore vivant. Il a reçu une balle dans le ventre. Il paraît que c'est pas trop grave comme endroit, c'est vrai? Alors, on va aller doucement. Si la balle ressort pas de l'autre côté, il peut y avoir des dégâts internes. Quelque chose de moche. On va hop. De toute façon, les flics vont vouloir des réponses. En gros, ils vont sûrement escorter ton copain jusqu'à l'hôpital. Tu dis que t'as vu plein de blessures par balle. Il y en a combien qui ont survécu? On va désactiver le truc. Normalement, la police... va passer devant nous, on va attendre tranquillement. Oh merde, putain, j'ai buté Eddie, c'est ma faute. Voilà, hop. J'ai entendu les sirènes et j'ai réagi sans réfléchir. Je me suis dit qu'en le blessant, ça les ralentirait. Mais je visais son bras. Allez. Fallait bien garder de sentir. Ah non, on va pouvoir y aller. Ces types, ils acceptent pas l'échec. Alors maintenant, les flics, au lieu d'un cambrioleur, recherchent un assassin. Facilite pas les choses. Ah putain, je suis dans la merde. Grave. Sois heureux que je te fasse pas marcher. Oh là là, oh là là, oh là là. Rien par ici. Et vous de votre côté? Allez, la liberté est là. Alors je dis pas grand chose, mais c'est fait exprès. Hein. C'est parce que j'ai pas envie de me faire repérer. Voilà, j'ai semé la police. Normal. Ah, on va lever le pont, d'ailleurs. Voilà, hop. Je sais pas si j'ai levé le pont. Ah. Bon, désolé hein, pour le coup de gueule, mais franchement... je savais qu'il allait y avoir des abus par rapport à ce système de trucs en ligne. Que tout le monde allait venir vous emmerder dans votre partie. Donc j'ai voilà, à partir de maintenant je vais débrancher mon truc quoi. Oh merde. C'est Lucky Queen. Pourquoi le boss du club nous rejoint ici? Il est pas là pour nous. Il est là pour toi. Je vous jure, je sais pas ce qui s'est passé. Il devait y avoir personne. C'est qu'une usine d'ordinateur, non? Mais l'alarme s'est mise à gueuler et les flics sont arrivés super vite. Je vous jure, c'est pas ma faute. Chut. Allons, allons, du calme, c'est fini, fiston. Au moins, je l'ai eu, non? C'est ça l'important. Effectivement, c'est ça l'important. Ainsi va le monde. Il n'y a pas de place pour l'échec. Oh, ça j'ai compris, Monsieur Quinn. Mais c'est pas moi qui ai merdé. Non, c'est pas moi. Du calme, du calme. Tout va bien. Ça va
mieux maintenant. Vous avez pu parler à votre mère? Appelez vos amis? Votre fiancée? Non, monsieur. J'étais pressé. C'est bien. Très bien. Dites à votre employeur que je la rappellerai. Si un jour j'ai besoin d'une autre livraison. Lucky Queen, une belle ordure. Le chef du Chicago South Club. Ces connards faisaient déjà leur magouille à Chicago avant ma naissance. J'aurais dû rendre service à la ville en lui mettant une balle dans le crâne. Mais c'est justement le genre de truc que j'essaye d'éviter. Il y a toujours des représailles. Et j'ai eu ma dose. Alors, comment ça s'est passé? Pas de soucis? Tu pensais vraiment que je bosserais pour ces enfoirés du club? Eh, mon grand, l'argent, c'est l'argent. Faut savoir séparer boulot et principe. Détends-toi. Écoute, je peux te mettre en relation avec mon contact. Il te trouvera de meilleurs contrats de chauffeur. Ouais. Pas sûr que je les accepte. Mais donne-lui mon numéro. Le cash, c'est toujours bon à prendre. Ah, et puisque tu me demandes, Maurice adore son nouveau chez lui. Putain, l'enculé, quand même. Le mec, il a assassiné le gars, quoi. Alors... Ouais, c'est ce que je voyais, ouais, tout à l'heure. Dans la vidéo précédente, c'est ce que je regardais. La progression. Ah ouais, d'accord, ok. D'accord, ok. Hop, portable. Ah, je peux même pas aller voir mon portable. Ouais, 4 sur 9. J'ai quelque chose pour toi. Ouais, je peux pas voir. Genre face à face. Je cherche un mec avec un masque ou... Non. Contente-toi de suivre le signal. Je croyais que tu rencontrais personne. C'est vrai. Mais là, faut qu'on se voit. Ok. Donc un peu à partir de là, maintenant, je... Je ne sais plus trop ce qu'il faut, ce qu'on va s'attendre. Alors, je suis plus en ligne, hein, j'ai désactivé les lignes. Parce que sinon on est emmerdé tous les quarts d'heure, comme vous avez pu le constater. Progression, combien? 44%. Oh putain. Par contre, sélectionne. Ah. Commence une mission sans jet de vie. Trophée détecté pour avoir terminé les missions principales. Ah, d'accord. En plus, il y a des missions dans les missions, quoi. D'accord. Donc là, acte 1, on est là. 4 sur 9. Et bientôt, on va arriver à changer de vie. Voilà. Etc. Ah, d'accord. Ah, c'est pas mal, ça. Et on a... quête secondaire par exemple, alors c'est quoi quête secondaire? Escorte, contrat fixé. Ok, je regarderai ça. D'accord, il y a plein de quêtes secondaires. Il y a plein de quêtes secondaires là. Escorte, il y a 18 escortes. 18 escortes. 20. Criminel détecté, 40 contrats fixés et planque de gang 15.
Ça, c'est quoi? C'est des enquêtes. Ouais. Ça, c'est des trucs à collectionner. Ça, c'est quoi ça? Des trucs à pirater. Contrat en ligne. Ouais, bah ça, je ferai pas. Contrat en ligne. Les mini-jeux, non. Ce que je vais faire, c'est que moi, je ferai les contrats principaux et les contrats. Et puis ça, là. Ouais. Tout ce qui est mission secondaire et principale, le reste. Je le ferai pas en vidéo, peut-être je le ferai pour moi, mais je le ferai pas en vidéo. De toute façon, on a le temps. Voilà. Ah putain, on a encore opéré un criminel. Ça, je vais aller le faire. Est-ce qu'on le fait maintenant? Voilà, en tout cas, on sera plus ennuyé par les gens qui viennent nous harceler en ligne. Ça sera bien, quoi. Ce sera pas mal, ça, déjà. J'aurais dû le faire depuis le début, ça. Hop, le mec, il est là. Dans la petite ruelle, là. Ah, ici, peut-être. Alors, le problème c'est que si le mec il vient par là, on est un peu dans la merde. Ah, il est là. Alors. Ah, je te cherchais. Tiens, c'est de la part de Lucky Queen. Bouge de là. Voilà, hop. Donc ça c'est fait. Ok. J'ai même gagné à 9 mm quoi. Normal. Ah ouais, j'ai même gagné une arme quoi. Ok. Ah ouais. Alors, attendez. Je pouvais pirater un mec là. Non. Oh le mec. Oh, c'est une mauvaise idée. Dégueulasse. Ma voiture elle a disparu. Fuck. Ah mais non, elle est là. Quel con. Je croyais que j'avais toujours ma voiture rouge en fait. Non, j'ai changé. Allez, on va aller à la mission. Alors, je sais pas du tout. Il me semble que je sais plus du tout à partir de là. Je crois que c'est à partir de là que j'ai pu continuer. Je me suis arrêté pour commencer le let's play, donc je sais plus trop quel conseil. Ah non, j'ai dit n'importe quoi, il reste encore une mission. Bah ouais, il reste encore une mission. Et après je sais plus ce qu'il faut faire. Là on va rencontrer donc notre ami hein. Ah putain, il y a encore. Bon, c'est pas. On fera ça plus tard hein. Sinon on va aller tous les faire et puis hop ici. Jamais de famille, ne voit plus sa famille. Ah les pasteurs. Ah ouais, allez c'est parti. J'ai souvent engagé Bad Boy et il a toujours protégé son identité. C'est comme ça chez DedSec. Et maintenant, il veut qu'on se voit. C'est pas normal. Je dois le déstabiliser, le faire parler. Et savoir ce qu'il prépare. Désolé, pardon. Bad Boy ? Hein ? Bad Boy, 17. Putain, c'est quoi ton problème? Ah putain.
Roy 17. Clara. Clara. Tu fais plus que 17 ans. Je fais bad boy aussi. T'as surtout l'air imprévisible. J'espère que ça te fait pas trop peur. Pourquoi ? J'ai des raisons d'avoir peur. Là, tu deviens parano. Vraiment ? Quelqu'un s'amuse avec ma vie. Menace ma famille. Et au même moment, ce mystérieux bad boy veut me rencontrer. Et le boy est une fille. Y a de quoi être parano. Écoute. J'ai besoin de te faire confiance, Clara. À ta place, je me ferai pas confiance non plus. Mais voilà une bonne raison de m'écouter. Le texto que tu m'as envoyé. Je sais où retrouver ce type. Ok, mais c'était pas la peine de se rencontrer pour ça. Non. Il fallait se rencontrer pour ça. Tu voulais les codes de piratage de DedSec ? T'as fait ça pour moi. Tu devrais être plus sympa avec moi. Parce que je peux changer ta vie entière. Ouais. T'es pas la première à me faire ce genre de promesses. Mm-mm. Ils font tout leur sale boulot avec ce truc. Et ils savent pas que j'y ai accès. Tu l'as volé. C'est très puissant, tu sais. Alors fais attention. Si tu fais le con, des gens peuvent être blessés. Au pire. Ouais. Je crois que tu me fais pas confiance. Donne-moi une raison de te faire confiance. Ok. Le gars du texto, comment on le retrouve ? On bosse ensemble. Toi, tu te mets sur ce que j'ai envoyé, et moi, je repère son signal. T'es pas vraiment comme j'imaginais. Toi, par contre, t'es sans surprise, Aiden. Ouh, y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air. Non, je rigole. Alors, là, du coup, j'ai débloqué toute l'arme. Toute l'arbre. Arbre. Oh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'arbre des compétences. Donc, là, c'est le moment de sprinter. Non, alors, c'est quoi ça? Protège les effets focus. Améliore la rapidité avec laquelle vous chargez votre arme. Ah ouais, ça c'est pas mal. Améliore la cadence de tir, ouais. Réduit les dégâts infligés, ça va m'apporter beaucoup. Démolition. Alors, c'est quoi piratage, là? Est-ce que je peux faire quoi encore dans les piratages, là? C'est quoi, ça? Hélicoptère désactive, hein? Herbs. Non, t'es sérieux, toi? Ah oui. Je vois pas l'intérêt. Attendez. Ouais, je vois pas l'intérêt. Appuie sur carré pour lever. Et vers un. Ah, oui, d'accord. Du coup, je vais faire ça, moi. Pour gagner plus de fric, ouais. Ça, je vois pas l'intérêt tout de suite, hein. Le métro. La fabrication, ça, c'est conduite. Désactive automatiquement les alarmes. Ouais, tiens, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa, ça. Ouais, de toute façon, je peux pas faire grand chose d'autre. C'est quoi ? Permet. Ah oui, ça, c'est pas mal aussi. Explosion d'une grenade framentale libérée d'une qualité. Ah ouais. Ça aussi, c'est pas mal. Je me tape. On va prendre ça. Voilà.
Alors. On parle à Bad Boy là ou à Clara? Oui, on va simplifier. Voilà. Bon, ça va pas être simple de remonter jusqu'à ton type. Il est malin. Il a réacheminé son adresse via une tour de bureau du City OS. Service client, employé, cadre, ce genre de choses. Une tour de bureau. Faut qu'on arrive à accéder au système. Tu me fais entrer et je te le retrouve. Je vais passer par la zone la plus vulnérable du bâtiment, là où ils reçoivent les livraisons. On dirait que c'est sous terre, dans le tunnel. Je vais essayer. Bah oui, hein. Au fait, désolé pour ma réaction de tout à l'heure. Oh, t'essayais juste de m'intimider? Ta façon d'empiéter sur mon espace personnel, les regards, le contact physique. T'es un vrai cas d'école, toi. Tu cherchais des failles. T'en as trouvé? Ça, c'est mon secret. Alors, le but c'est de rentrer là-dedans. Ici là, voilà. Ouais, donc j'ai un petit truc assez sympa qu'on peut faire. C'est marrant. Moi je vais me faire marrer. Alors d'abord je vais voir un truc. Si on peut pas exploser quelqu'un avec son portable, ce serait pas mal pour commencer. Alors hop. Non, on peut pas. Diversion, ouais mais non, diversion. Ah attendez, peut-être là. Protection. Ah non, protection ça. Attire quoi, attendez. Attire sexuellement par un distributeur. Musique, n'importe quoi. C'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. Le type qui m'a vendu, c'est... Ok, t'es un peu con, toi. Du coup, il est où lui? Ah, il est là. Il est là. Soyez prudent. Ah, il y a un bug là. Ah, il y a ici, je vais voir là-bas. Genre, ça bug. Normalement, la porte elle devrait se fermer. Ah non, c'est ouvert, c'est fermé. Allez, vas-y, avance. Ça me fait bloquer ça et je peux faire ça. Alors là, j'ai toujours pas compris pourquoi ils vont là-dedans là. J'ai ramassé quelle arme là? Est-ce qu'on les garde les armes en fait? Si on fait ça par exemple. Ah ouais, je les garde. Alors on va ouvrir la porte. Hop. Ah merde, il n'y a pas explosé. Bon allez, on y va, parce que sinon on va passer 2 heures là-dessus. Déjà 30 minutes là. Quel sniper. Je te vois, moi. Toi, que dalle. Je bouge de là.
que dalle. Je vais faire un tour ailleurs. Ah merde, je peux pas l'avoir. Alors, excusez-moi, je réfléchis, hein, comment je vais faire ça là. Ah merde, fais chier. Bon, on va y aller parce que sinon. Genre, il me voit quoi. Voilà. Et voilà. Pas compliqué, hein. Allez, on va faire ça. Pirate du terminal, mais il est mort là. Bah, merde. Il est où le pirate du terminal? Ah, il est là. Double personnalité. Utiliser le profil pour récupérer le truc de terminal. Ah merde, le con, j'ai tué le gars en fait. Il semble que c'est lui là. Merde. Comment je vais faire pour entrer là? Alors, accès verrouillé, utiliser le carré pour repérer le pirate et pirater le terminal. Ouais. Ah ouais, d'accord, c'est ici, pardon. Tant pour moi. Non? Ah si, là, je l'ai piraté, là. Ah ouais, c'est ça, je l'ai piraté. Désolé, hein. Du coup, je peux pas rentrer là? Ah, si. Je suis dans l'immeuble. Tu vois quelque chose? D'après le plan, il devrait y avoir une cour intérieure à ciel ouvert. Et d'autres gardes, je parie. Les hacks que je t'ai envoyés sur ton téléphone. Y a pas mieux pour faire diversion. Tu peux t'en servir pour perturber l'équipement des gardes. Quel genre d'équipement? N'importe lequel. Téléphone, oreillette, explosif. Aujourd'hui, tout fonctionne à base d'électronique. Ok. J'essaierai ça. Tu pourrais scanner les bureaux? J'ai besoin d'un laptop non sécurisé. J'en tiens un. Bradley Coughlin. Oh, oh non. C'est le directeur de la sécurité.
comme par hasard. Une fois le piratage lancé, tâche de faire vite. Tu traces l'appel et tu sors. La sécurité va vite détecter l'intrusion. T'inquiète pas pour moi. Alors. Localise le garde, ouais. 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 C'est pour les renforts. Du coup, le garde, il est où en fait? Ouais. C'est pas lui là par hasard? Non. Lui là, il y a un garde là. C'est pas lui là? Non. Ah bah si, il est là. Ah bah voilà. C'est pas compliqué, hein, fallait chercher. Hein. Hop. Ouais, je peux pas. Ah, il faut que j'y aille. Ah non, je suis pas obligé d'y aller. Hein. Voilà, oh putain, ça va être short là. Ça, hop. Hein. Hop. Alors là, c'est quoi déjà? Ah, il me semble que c'est ça là. Ouais. Voilà. Alors, ça vient de casse-tête ça. Alors. Il me semble que c'est ça qui va là. Comme ça. Ça. C'est casse-tête là. C'est vraiment un casse-tête là. Ouais. Pourquoi ça arrive pas là? Oh là là, et ça y est, ça commence à me casser la tête ce truc là. Oh là 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 là, je sais pas du tout ce qu'il faut faire là. Ah, on va être bloqué là, on va être bloqué. Heureusement qu'on n'est pas timé hein, parce que là. What? Ouais, bah voilà. Putain. Puisque je vous dis que c'est pas une simple pub, j'ai un globe oculaire gigantesque là qui me bloque. Oh merde, quelqu'un a piraté. Directeur de sécurité. Cherchez par là. C'est bon, t'es connecté. T'arrives à tracer l'appel? Attends, je lance la recherche. Oh merde, les flics sont en route.
Ils utilisent un scan qui va être super difficile à éviter. Faut que tu te tires de là. Ouais, c'est ce que je fais, là. Je vais pas pouvoir m'échapper. DedSec aurait pas un truc pour brouiller les scans? Attends. Oui, je crois que oui. Je l'ai. Je t'envoie ça tout de suite. Ouais, ok. C'est ça, non? Ouais. Allez, il faut remonter le pont. Et voilà. Ah bah c'est bon là, j'ai échappé à la police, non? Pas encore? Si, je suis loin là. Voilà. Et voilà. Et voilà, donc on a fini le ce chapitre. Cette mission, pardon. Je pense qu'on a fait déjà deux missions dans ce chapitre. Quoi de neuf, t'as localisé l'appel? Marre de jouer au chat et à la souris. Je l'ai trouvé, ta souris. L'appel a été passé depuis un appartement du Loop. Pas trop tôt. Sois prudent, Aiden. La façon dont il a réacheminé le signal, c'est comme s'il voulait que tu le retrouves. Oh. Surtout pas le décevoir. Voilà, bon bah écoutez, je pense qu'on a eu deux missions. Il me semble qu'on a eu deux missions dans cette vidéo, je m'en rappelle plus. Parce que depuis la vidéo, j'ai réfléchi. En même temps, je réfléchis. C'est pour ça que des fois, je parle pas, parce que des fois, je réfléchis à des choses diverses. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On fera la suite dans le prochain épisode, hein, 42 minutes. Je pense que vous en avez vu beaucoup. Une dernière chose. Dernière chose. Voilà, apparemment, j'ai débloqué des voitures. Ah, j'ai débloqué des voitures. Ah, j'avais pas autant. Décidément, on débloque des voitures dès qu'on pirate les passants. Alors, soit c'est ça, ou soit. Putain, ils m'ont mis de l'autre côté de la rue, quoi. Et ben voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme j'ai dit. Je vous dis, bah écoutez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais aller chercher mon carrosse, comme il dit. Et je vais me mettre en route pour une autre aventure. Voilà, voilà. Alors, où est ma voiture? Elle est là, ma voiture. Ouais. Hop. Et on va vérifier au niveau des progressions. Et je suis à la moitié. 5, 6, 7, 8, 9. Il me reste 4 missions à faire pour l'acte 1. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc... j'espère que cet épisode vous aura plu, hein, comme je vous ai dit. Et je vous dis, bah écoutez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et on va assister au lever de soleil. Donc on va se dépêcher avant que le soleil se lève définitivement. Et voilà, le coucher de soleil devant l'eau. Magnifique. Repérage, et voilà. Magnifique, regardez. Le coucher de soleil et l'eau qui est en face, franchement, ah ça c'est next gen, là c'est next gen, regardez bien comment c'est magnifique. Alors dommage, on peut pas s'approcher plus,
Oui, c'est magnifique. Voilà, c'est sur ce beau soleil, tout beau, tout frais, et la mer magnifique au loin avec les montagnes et tout. Que je vous laisse avec ce beau petit, ce beau lever de soleil. Wally Walou, merci beaucoup de m'avoir suivi et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Watch Dogs. Allez, salut.